I'm always one step behind, wishing I could read your mind, but I'm ready, yeah, never ready. I wish I could have made it stop the first time that you stood me up. I wasn't ready, yeah, never ready. Like a forbidden je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous embarque avec moi. Je vais m'occuper du lit, en dessous du lit et derrière le lit, parce que je peux vous dire que ça fait un long moment que je ne l'ai pas fait. Et je vous laisse voir la suite des images parce que ce n'était pas fort joli joli. Pour commencer, j'enlève mes draps. C'était le jour du changement des draps. Je le fais chaque dimanche. J'ai programmé ce jour pour bien commencer la semaine avec des draps propres et un lit propre. J'ai mis mes draps au sale et je viens passer l'aspirateur avec mon nouvel aspirateur. J'ai eu la chance de recevoir par la marque Ultenic leur nouveauté. C'est le Ultenic U11 Pro. Je travaille avec la marque depuis plus d'un an. J'ai eu le robot D5 Pro, le robot T10, la friteuse à air K10. Et j'ai également eu l'aspirateur balai U11. Et la marque a fait un nouvel aspirateur, du coup ils me l'ont envoyé et je les remercie fortement parce qu'il est vraiment incroyable. J'aime beaucoup cette marque. Je vais prendre l'embout qui aspire les canapés et les matelas et je vais bien aspirer le matelas parce qu'en fait je vais le retourner. J'essaie de le faire deux fois par an si je n'oublie pas bien évidemment. Du coup je l'aspire avant de le retourner. Et avec l'embout plat, je viens faire les petits contours carrés et ronds sur le matelas. Il y a toujours plein de saletés qui se mettent dedans. Je vais pas vous mentir, le matelas n'était pas sale parce qu'en fait maintenant je mets la laise, du coup c'était quand même propre mais il y avait quand même pas mal de poussière, je vous montre tout ça. Avec cet aspirateur il a une durée de batterie un peu plus longue que le U11 normal et il aspire deux fois plus, même si le U11 aspire vraiment très très bien, celui-là je trouve qu'il aspire encore plus et je suis vraiment très contente. Je vais utiliser cet aspirateur tout au long de la vidéo donc n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin. Avec un autre embout, je viens aspirer le sommier parce que là, il y a toujours de la poussière qui se niche. Et c'est pas quelque chose que l'on fait chaque semaine ou chaque mois. Ça, j'essaie de le faire une fois par an à peu près. Après, voilà, j'ai pas vraiment de programme pour le nettoyage du sommier. Mais je pense que je vais me caler un programme de deux fois par an. Je pense que c'est quand même bien pour que ça reste relativement propre. Ensuite, je lève le sommier et je fais en dessous, on peut dire que c'est le dessous du sommier. Je vais passer l'aspirateur toujours avec l'embout spécial et je vais passer un coup au produit. Après avoir aspiré, bien évidemment, je passe un coup au produit pour vraiment nettoyer parce qu'il y avait comme des petites taches de colle, des petites taches de saleté. Du coup, voilà, je me suis dit que j'allais quand même nettoyer au produit. Give me that, 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 give me that.
town. Everything is upside down. Oh baby, I love you, yeah. Why you gonna leave when I need you the most? Wherever you go, I'll be there, you know. Don't be a stranger. Je vais enlever tout ce qu'il y a en dessous du lit. Je vais faire un très gros tri. J'avais fait un tri il y a 5-6 mois de ça, j'avais tout mis, ce qui me sert pas chez mes parents, mais là j'ai laissé des choses, je me suis dit que j'allais les garder au cas où, et en fait en 5-6 mois, je n'ai pas soulevé le lit une seule fois, donc je me dis que j'en ai vraiment pas l'utilité, donc ça sert à rien de garder ça à la maison, je vais remettre tout chez mes parents. C'était vraiment sale, il y avait énormément de nounous, plein de peluches, il y en avait vraiment de partout. Du coup, je viens aspirer correctement le sol, comme ça ensuite je peux nettoyer les parois intérieures et extérieures du lit. Vous pouvez voir qu'il a ramassé énormément de saleté, de poussière et même des petits papiers, je sais pas trop c'était quoi, mais bon voilà, ça m'a vraiment tout bien aspiré. L'aspirateur Ultenic U11 Pro va vraiment très très bien. Esthétiquement, il ressemble quand même au U11 normal, à part les couleurs qui se diffèrent. On peut voir quand même qu'il y a une petite différence, mais sinon c'est les mêmes embouts pour aspirer. Par contre, sur cet aspirateur, il n'y a pas le socle de charge qui tient debout avec le socle pour les accessoires. Vous avez juste le petit socle de charge à percer au mur, ou sinon à mettre avec du scotch double face. Moi ici à la maison, je ne l'ai pas fait parce que je suis en location et c'est pas adapté pour moi. Si je devais faire ça à chaque aspirateur, il y aurait des trous partout et je pense que ma décoration, ça serait des aspirateurs. Du coup, voilà, moi j'ai mis avec du scotch double face. Si l'aspirateur vous intéresse, n'hésitez pas. Actuellement, c'est les Prime Day sur Amazon, il est en promotion. Je vous mets le lien en barre de description. Je vais pousser le lit et derrière, c'était vraiment une horreur. Il y avait plein de choses, une bouteille, des prises, des multiprises, des pièces. Enfin voilà, il y avait quand même pas mal de choses.
et j'avais même des petites bougies, enfin je sais même pas ce que ça fait là. Du coup je vais tout enlever et je vais surélever les prises du lit parce que c'est un lit qui fait de la lumière et je vais aspirer le sol. Je remets le lit correctement et je viens ranger tout ce que je garde. J'ai également rangé 2-3 petites choses en plus qui traînaient dans le dressing comme mon Steam Pod et je garde que le nécessaire. Anthony m'a retourné le matelas, du coup je passe un bon coup d'aspirateur dessus parce qu'il était vraiment sale. En fait avec la poussière qu'il y avait sur le sol en dessous du lit, ça s'est mis également sur le matelas et il était un peu noir de saleté, du coup j'aspire et ensuite je vais passer le bissel pour le nettoyer correctement. J'ai laissé sécher le matelas à peu près 2 heures. En attendant, je suis partie promener Shadow avec Anthony. On a fait une très grande balade
et vu qu'il faisait beau, le matelas a vite séché. En revenant, j'ai dépoussiéré mes tables de nuit, je les ai fait à sec et ensuite au produit et j'ai rangé un peu correctement ce qui traînait. Maintenant que le matelas est sec, je remets correctement mon à-l'aise et j'ai également remis des draps propres. L'été, je ne mets pas la grosse couette, je mets juste le drap. Je passe un coup avec mon petit plumeau pour faire l'étape de nuit parce que vu que j'ai mis les draps, ça a remis pas mal de poussière. Pour terminer, je passe un bon coup d'aspirateur sur le côté du lit, partout dans la chambre, comme ça c'est bien propre. Le dessous de lit, derrière le lit, les parois du lit, le matelas, le sommier, tout est propre, je suis vraiment très contente. J'ai remis des draps propres et ça pour moi c'est vraiment très très important d'aller se coucher dans un lit propre, ça j'adore. Dites-moi en commentaire si vous êtes comme moi. Ma vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit like pour me soutenir et un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. J'ai hâte de vous lire, j'ai hâte vraiment de communiquer avec vous. J'aime beaucoup cet échange sur YouTube avec vous. Donc n'hésitez surtout pas, je réponds vraiment à tout le monde sans exception. N'oubliez pas de vous abonner et à activer la petite cloche pour des nouvelles vidéos. On se retrouve bientôt sur ma chaîne, je vous fais plein de gros bisous. Et surtout, prenez bien soin de vous. Wait a second, I don't need you. Then why so settled? I miss withdrew.